Salut à tous, c'est Mlyn et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour des air de race. On va tester dans un premier temps une air de race, enfin une semi-air de race, une course magnifique créée par Goma. Donc vous savez que Goma c'est l'un des meilleurs créateurs en air de race, en course tout court d'ailleurs. Et ensuite on va tester une course qui a été créée spéciale pour moi à la salle par un babouin. Et on va voir ce qu'il en est. Donc c'est la deuxième course qu'on lancera, donc ça c'est une course pas par le babouin du coup. Mais celle d'après, ça sera pour un petit babouin, ça sera créé par un babouin. Donc là c'est en Wagner et c'est un peu une course chinoise apparemment là ça. Donc, je sais pas ce qu'il en est. C'est une R2 ou pas là? Là non. C'est semi R2 quoi. Wow. What? What? C'est stylé. Ouais. Il y a des trucs chinois sur le... À droite, chinois, je crois que c'est chinois, je sais pas c'est quelle langue mais... On dirait des petits signes Wilkinbarins quoi. Ah. Tu vois les trucs comme ça, j'aime bien ça. Ouais, là c'est stylé. C'est vrai que c'est air de race à lui. Elles sont vraiment stylées. C'est assez court, mais c'est sympa. Il y a 3 tours. Donc ça va être vraiment court, hein, les 3 tours. Écoute, pour l'instant, je suis 6ème la salle. J'essaie de choper des petites places. Essaye de choper les petites places. Il y a des gens qui arrivent à me rattraper, je sais pas comment. Waouh! Ah ouais, elle dérape dans les virages. Hein. Ouais. Ah oui, tu m'as doublé. J'ai dérapé une fois. Ouais. Et j'arrive pas à les rattraper par contre. Oh, je rattrape un gars là. Je suis sûr qu'on peut tricher en plus. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Il y a un gars, il est tombé devant moi, le pauvre. Mais la Wagner, c'est un véhicule qui est très léger. Non, non, mais je sais qu'il y a moins de tricher. Je pense qu'il y a moins de tricher, tu vois. Bon, après, je tricherai pas, mais... Ok. Allez, je suis deuxième. Après, on est tous collés, je suis troisième. Oh, ok, d'accord, il y a un gars qui s'est téléporté. What? Tu sais que je comprends rien, là, des fois. Bah là, c'est air de race, quoi. Mais c'est vrai que les air de race, c'est vraiment satisfaisant. Ok. Ok. Pour l'instant, ça passe. On est pas mal. On va enchaîner le troisième tour, du coup. Et on enchaîne le troisième tour. Tu sais que j'arrive pas à rester dans le top, dans le podium, quoi. Ah ouais, je vois que toi, tu rattrapes. Bah ouais, même parce que moi j'ai dérapé, j'étais premier mais j'ai dérapé une fois. Ok, t'es troisième en plus. Ouais, maintenant ouais. Ok. Mais tu sais que je... En fait, faut qu'il fasse une erreur quoi. Mais c'est chaud de faire une erreur aussi. Allez. Ok, c'est bon, ça passe. Ça passe, la salle, ça passe. Véhicule custom, non custom, la Wagner. In the blue now, oh oui, oh oui. In the blue sea. Attention, attention, attention. Attention, l'une va-t-il passer? Putain, on peut pas pousser, hein. Ce serait stylé de pousser là. Non, ça y est, ça va se finir là. Ouais, donc à mon avis, je pense que je serai dans le top 4, les gars. Ouais, quatrième. Eh bien, écoutez, quatrième place pour ma part, c'est pas mal. C'est un bon classement, on va dire. Et du coup, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième course, qui est une course cette fois-ci créée par un babouin. Donc, on va voir ce qu'il en est. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve. Je rigole. Avoue que t'as kiffé la salle. Avoue que t'as kiffé. Je me suis dit, le mec est chaud. Et non, je rigole. On se retrouve du coup, les gars, pour la deuxième course. Et cette fois-ci, c'est une air de race créée par le babouin que je vous ai dit. Et. Il m'a dit que fallait prendre custom la salle. Parce que tu vois, avec les. Des fois en fait, quand le véhicule est endommagé, ça touche un peu moins les bordures, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Faut pas faire n'importe quoi. Mais si ça passe pas, c'est normal, c'est parce que le véhicule est endommagé. Mais ça peut passer, ça peut Rick and Robbins in the West forever and ever. Et j'espère que ça va bien passer, ça va bien se passer pour nous. Parce que là, on y est. Ok, pour l'instant, ça a l'air de bien passer. Ok. En tout cas, la course elle est vraiment magnifique. Oula. Il y a un gars qui s'est dégommé là où je rêve. Je crois que c'était pas.
Je crois que c'est... Ah non, si, c'est bon, c'est passé. Ouah, c'est très bizarre, hein. Écoute, c'est très serré, bon. En fait. Ouais, ouais, pareil. Mais c'est très serré, quoi, c'est pour ça. Ah ouais, c'est magnifique. Vraiment, créé par un babon, les gars, hein, je rappelle. Ah ouais, waouh. La glissade, là, elle était waouh. Waouh, en fait, tu comprends rien, quoi, c'est fluide. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, pour l'instant, ça tellement passe bien. fluide. Allez. Ok, ça passe bien moi la salle pour l'instant, je sais pas toi. Pareil, pareil, pareil. Wow, il a fait un truc de fou là. Ah ouais, le transfert de wall ride là sur le tuyau, incroyable. Magnifique. Et bah franchement, ce fut excellent. Si j'ai à Exquis. mettre une note sur 10, je mettrais vraiment un 10 sur 10, c'était tout Pareil. simplement magnifique. Empaese Magnifico, Babene, même je dirais. Hein. Air de Rey, tout simplement. Par contre, tu vois que t'es derrière moi. Et ça, quand t'es derrière moi, bah, j'ai tendance à stresser. Par contre, j'ai peur. Est-ce que t'en as vu? Est-ce que ouais, je sais pas. Non, je sais pas. À ton avis, est-ce qu'il faut respawn ou pas? Parce que le véhicule est quand même endommagé. Non. Waouh. Je me suis pris le. Ah ouais, on voit l'air de reste de loin, regardez. Tout le travail fait par le babouin, qui est, elle est trop trop belle. Regardez tout au fond, les gars. C'est magnifique. Je sais pas si tu vois la salle. Ah ouais. On dirait une grande roue avec plein de trucs. Ouais. On dirait la grande roue de GTA V, quoi. C'est trop stylé. Et on va enchaîner le deuxième tour, du coup, les gars. Et c'est trop beau. Vraiment trop beau, les gars. Ça soit parfait. Faut qu'il soit parfait. Faut qu'il soit parfait. Après, peut-être que c'est parce qu'on a le véhicule endommagé. Donc, si ça passe pas, c'est peut-être ça. Donc, peut-être qu'on va tomber là, mais qu'après, quand on respawnera, ça passe. Donc, peut-être qu'il faut respawn, quoi. Peut-être. Parce que lui m'a dit faut des véhicules pas endommagés et des véhicules custom. Mais comme je vous comprends. Allez, c'est parti. Ah, il y a quelqu'un. Wow. Il y a un gars qui n'aurait pas passé, apparemment. Allez. Écoute, ça a l'air de passer pour l'instant. Ouais. Ah non. Toi aussi? Ouais. Dommage. Fallait respawn. Fallait respawn, fallait respawn. Fallait Didi. Fallait respawn. Je touche pas mal, t'as vraiment regardé. Toc 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 qui est là. Bonjour, bonsoir. C'est ça qui est stylé. C'est quand tu lances une aire de race, bah tu peux vraiment faire ce que tu veux toi la salle. Tu sais, je peux taper des mains, je peux. Bah non, moi je suis encore tombé là. Ah ouais? Là, à mon avis, Anuin, là, le 10 sur 10, il commence à diminuer. Là. Ah, il devient 8, allez, tu sais quoi, il devient 8, là. Par contre, la glissade est vraiment magnifique. Là, je suis en train de me... Par exemple, là, je suis en train de me gratter l'oreille. Tu vois, faire une course et se gratter l'oreille en même temps, c'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Allez, ça passe, ça passe. Non, non, franchement, non. C'est 10 sur 10, c'est juste qu'il fallait un véhicule neuf, c'est tout. Ouais, c'est tout. T'as un véhicule endommagé, ça passe pas. Il me l'a dit, lui, hein, il me l'a dit, de toute façon. Bah oui. Ok, pour l'instant, on est pas mal. Et c'est ça, c'est le transfert ici, les gars. Avec le tuyau, c'est trop, trop bien. Et là, je touche pas, hein. Dans le tuyau, je touche pas aussi, les gars. Et ça met automatiquement. Donc là, j'ai touché un petit peu, forcément, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est que c'est pas mal, quoi. C'est que c'est pas mal. Bah écoute, la salle, pour moi, c'est passé. J'irais même le facteur n'est pas passé, il passera dans 5 minutes. Je suis premier, ce qui est plutôt magnifique pour une ère de race. Et ça, ça fait plaisir, tu vois, d'être premier vraiment. Je peux vous dire que vraiment, les aigles et les pigeons ne volent pas ensemble. Mais là, au contraire, ils ont volé ensemble cette fois-ci. Allez, on a bientôt fini. Petit dérapage. Je profite, je vous montre quand même la ère de race qui est à gauche, qui est trop beau, trop belle. Ouais, qui est trop beau. Mais je me suis toujours posé la question, combien de temps il faut pour créer une aire de race comme ça, quoi.
Oula, longtemps. Tu vois, ça, je me suis reposé la question. Dans la salle, il est pas vraiment lancé. Ah, moi, c'est ça là. Donc, regardez comme la création. C'est tout ça. Mais quand même, tu te rends compte tous les transferts qu'on a fait et tout. Ouais. Je me dis pas que c'est. Que c'est. Tu sais, c'est tout ça. Enfin, en fait, c'est condensé dans tout ça. Ah, parce qu'il y a encore un truc au fond là-bas, j'y ai pas vu. Il y a encore un truc au fond là-bas. Ok, et eh bien écoutez, ce fut une air de race magnifiquement magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était satisfaisant. Je vous mets très bien de l'activité si vous voulez tester de votre côté la air de race. Et moi je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye.